I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Rebonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette deuxième partie du WrestleRock Podcast, émission 8.5, consacrée uniquement à la musique. Mon nom est Benoît Laferrière. Je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Bien content de te retrouver. Super, super. Écoutez, comme je le dis souvent, grosse émission, gros contenu, beaucoup de spectacles qui s'en viennent prochainement. Donc, c'est motivant. Puis, on vous invite, dans le fond, à écouter aussi notre émission de lutte qui est super intéressante, captivante, beaucoup d'anecdotes, des fous rires. Ça vaut la peine de nous suivre. On est disponible sur YouTube, Spotify, Alouette. Donc, commençons vivement dans le sujet. On va enchaîner avec Guns N' Roses, mesdames et messieurs. Qui ont confirmé dans une interview que la formation devrait sortir un nouvel album studio d'ici la fin de 2021. Ça, c'est vraiment cool, honnêtement. Ça va faire du bien, du old school rock qui revient à la surface. On se souvient de Ozzy qui a sorti un album récemment. Et puis, voilà. Parce que là, ça serait... S'ils sortent ça, mettons, cette année, l'album, c'est la première en 13 ans depuis Chinese Democracy. Là. C'est très cool. La preuve que la chanson, avec un R à l'envers... Comme la chanson dans absurde. Absurde. C'est ça. Absurde. Avec un R à l'envers, comme dans le logo de Korn, ayant été composé en 2001. À l'époque du début des sessions de Chinese Democracy, sorti en 2008, et portant alors le titre de Silkworms... c'est en tout cas le premier inédit proposé par Guns N' Roses en 13 ans, comme tu disais. Oui, exactement. Dans le fond, voilà. Et après avoir interprété dans une version remasterisée, à l'occasion de leur concert au Fenway Park de Boston, le stade des Red Sox, mm-hmm. mon équipe préférée, je dirais pas ça un fan des Yankees, on va m'arracher la tête. Ça s'est passé le 3 août dernier. Un style différent de ce à quoi les Américains nous ont habitués et qui pourrait ou pas laisser croire. Tu peux laisser croire la sortie de cet album éventuel, c'est ça. Yes, le 26 juillet dernier, l'ancien drummer du groupe Slipknot, Joey Jordison, est décédé dans son sommeil. Et puis le lendemain, le 27 juillet, malheureusement, on a eu une fois de plus une mauvaise nouvelle. Dusty Hill, le chanteur et bassiste de ZZ Top, est décédé lui aussi à l'âge de 62 ans. Alors nous offrons nos sympathies aux familles et aux artistes, à tous ceux qui l'ont côtoyé. Une bonne nouvelle qui arrive pour les festivals du Québec. Les festivals du Québec peuvent avoir 15 000 personnes depuis le 1er août dernier. C'est rentré en vigueur le 1er août dernier. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er août. La capacité des festivals à l'extérieur passera à 15 000 personnes. Ces capacités étaient de 5 000 personnes depuis le début du mois de juillet. Pour les concerts en salle, il peut maintenant y avoir 5 500 spectateurs. J'imagine que suite au dernier point de presse, là, ils vont... Passeport vaccinal, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu de la merde. Il faut 15 000, c'est un maximum. Ouais, mais... Ça va être dans des gros stades. Une place que tu as quelqu'un, deux places que tu n'as pas. C'est un peu n'importe quoi. WrestleMania 37, c'est un petit peu n'importe quoi parce que on voit aux États-Unis, là, tout le monde est serré, tout le monde est collé. Il va falloir que ça slack. Ça va prendre des. Il va falloir que ça bouge au Québec. On va enchaîner sur une autre mauvaise nouvelle qui concernait le groupe Warrant le 11 août dernier. Si tu veux enchaîner, t'as bien beau. Oui, dans le fond, le 11 août dernier fut une journée triste dans le monde de la musique. En fait, 10 ans plus tôt, le 11 août, à la fête de Hulk Hogan, ouais, le 11 août chanteur de Warrant, Jenny Lane, est retrouvé sans vie
à l'hôtel Comfort Inn de Woodland Hills, un quartier dans le... Voyons, excusez-moi, je recule la cassette. Le rewind. Dans un quartier de Los Angeles, en Californie. La cause officielle du décès est un empoisonnement sévère à l'alcool. Et oui, malheureusement, l'artiste qui avait 47 ans ne s'est jamais sorti de cette triste dépendance qui est malheureusement l'alcoolisme. Ah, ça a joué toute sa vie. Il y a eu... Tu sais, comme, voyons, Chris Cornell, lui, c'était l'héroïne, la drogue, mais lui, c'était Johnny Lane, c'était vraiment l'alcool. Ah, c'est dommage. Tu sais, c'est des grosses vedettes, mais ils ont toujours des problèmes, ah, des démons. Ah, c'est sûr, tu sais, il y en a plusieurs, là. La cocaïne, puis toutes ces choses-là, c'est triste, mais c'est la réalité. Oui, exactement. Il y a aussi... Il y a trois fins de semaine de l'édition musicale qui se nomme « En forêt ». À Rouyn-Noranda, du 19 au 21 août, il y a eu, dans le fond, Noé Talbot, Caravan et Orange Lessard. Ensuite de ça, du 26 au 28 août, il va y avoir Juillet, Jesse McCormack et Vendou. Les 3 et 4 septembre, il va y avoir aussi New Bleach and Miles. T'as dit Vendou? Comme Vendou Guerrero. C'est une joke. Et nous allons enchaîner maintenant, mesdames et messieurs, avec la programmation d'Envol et Macadam qui aura lieu du 9 au 11 septembre au stade des capitales de Québec du baseball. Stade le Canac. Le stade Canac, mesdames et messieurs. Yes, donc, ben écoutez, on va prendre quelques minutes pour mettre un petit peu au vert le projet de Carl-Emmanuel Picard. Salut Carl-Emmanuel Picard. Salut Carl, j'espère que tu vas bien. On va te booster ça, mon chum. Yes, mon ami. Écoute, gros événement là, qui s'en vient prochainement, 9, 10 et 11 septembre prochain. Donc, on pourrait parler un petit peu de la programmation. Oui, ça va faire du bien, comme on disait. Dans le fond, c'est au stade Canac. Le 9 septembre, il va y avoir... en vedette, Grimmskunk et The Planet Smashers. Donc, pour les gens qui sont fervents de ska, je crois que vous allez être servis avec l'équipe de Planet Smasher qui livre toujours la marchandise lors d'événements. Les portes ouvrent à 17h et à 17h30, ça l'enchaîne avec The Roberts Creek Saloon. Ensuite, à 18h15, Alicine. Ensuite, à 19h, Drogue. Ouais, je sais, ça fait... Drogue! Yeah, drogue. Pourquoi c'est drogué? À 20h15, The Planet Smasher. Et le main event, si on peut dire, à 21h45, Grimmskunk. Ensuite de ça, on a un petit peu de diversité pour le vendredi 10 septembre. 10 septembre, ouais. C'est pas du punk, c'est une soirée plus hip-hop. Ouais. Les portes vont ouvrir à 17h30 et puis c'est MCM qui va ouvrir le bal avec Wes Broom, TYQ, Sensei H et un invité qui est à venir prochainement. Ok, c'est pas long, c'est encore une surprise. Non. Okay, et puis dans le fond, il va y avoir quelqu'un avant Soulja. Et puis, à 21h45, c'est Soulja qui va sur scène. Donc, grosse soirée hip-hop en perspective. On pourra enchaîner aussi avec le samedi 11 septembre. Ça va faire 20 ans les événements du 11 septembre. C'est ça. En espérant que ce gars-là vous fera oublier cette journée, malgré que c'est bien dur à oublier. Oui, mémorable. Ouais. Alors, les portes ouvrent à 13h30 cette fois-ci, mesdames et messieurs. Oui, ça va être une grosse journée de musique... rempli d'action et de divertissement. C'est ça. À 14h, The Bridget Sands. 14h45, Hopeful 16. 15h30, Hate Hit 2. 16h30, Aeternam. 17h30, Boundaries. 18h30, Mute. 19h30, Comeback Kid. 20h30, Va Void, ça va être fort. Là. Ouais, ça va être ça à coche. Ouais, ça, c'est sûr. 21h30, Despise Icon. Ouais. D'espèces d'icônes. Okay. Et ce sera tout. Yes, maintenant, on va procéder, on va vous expliquer comment ça marche la billetterie, parce que les billets sont en vente, bien entendu. Yes. En ce qui concerne le jeudi 9 septembre, si vous voulez des billets en zone supérieure, le prix unitaire est à 29,43. Dans les mezzanines, le prix unitaire est à 34,57. Et dans les loges, toujours un petit peu plus cher, 39,72.
Pour ceux du... Ça, c'est par journée. Oui, c'est ça, exactement. C'est par journée. Nous allons enchaîner maintenant avec le vendredi 10 septembre. Dans la zone supérieure, le prix unitaire 39,72. Les mezzanines, le prix unitaire 44,86. Et dans les loges, le prix unitaire 50,01. Je te laisse enchaîner avec samedi. Et puis le samedi, c'est la grosse journée, donc dans le fond, j'imagine que ça doit être un petit peu plus cher, à moins que je me trompe. Oh ouais, c'est bien plus cher. Ouais, ben en fait, la zone supérieure est 44,86$, et puis la mezzanine, c'est 50$, 51$. Et puis la loge, dans le fond, c'est 55,15$. Et honnêtement, ça vaut la peine d'encourager local. On se souviendra que Envoi les Macadam ont réalisé de grandes choses. Dans les années antérieures, il y a eu des groupes comme Hatebreed et puis j'en passe. Donc honnêtement, ça vaut la peine d'encourager notre ami Carl Emmanuel. Qu'on salue une seconde fois. Yes! Alors maintenant, nous allons enchaîner avec le Summerfest de Milwaukee, Wisconsin, mesdames et messieurs. Aura lieu du 1er au 19 septembre 2021 avec des groupes comme Guns N' Roses, 21 Pilots, le Ella Megatour avec Green Day, Fall Out Boy et Weezer, Miley Cyrus, Luke Bryan, Chris Stapleton... Chance the Rapper et plus encore. Le reste de la programmation est tout aussi diversifié avec Rise Against, The Kid Laroi, Polo G, Diplo, Vince Neil de Motley Crue, Florida, Styx, G-Eazy, Goo Dolls, Ron the Jewels, Kenny Hoopla, Kesha, Dropkick Murphys, OAR et plus et encore. Plusieurs autres. Il y aura aussi la tournée intitulée The 2021 Tour Celebrating du groupe punk rock Lagwagon qui joueront des chansons durant l'album Double Pleididium et Blaze. C'est du 3 novembre à San Francisco jusqu'au 19 décembre à New York. À noter que les 14 et 15 décembre, la formation se produira à Montréal au Club Soda, pour être plus précis. Et que la tournée implique également Red Cedar Radio, qui est aussi un groupe punk rock. Récemment, mesdames et messieurs, le chanteur et leader du groupe British Iron Maiden, vous l'avez deviné, Bruce Dickinson, a révélé dans une entrevue que c'est Rammstein qui l'a inspiré pour le vidéoclip de la chanson The Writing on the Wall. Vous savez la fameuse chanson qu'on a parlé récemment et qu'on a publiée sur Facebook? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est ça, c'est carrément Rammstein qui a inspiré cet artiste pour faire la vidéo. On ne pouvait pas passer à côté du 50e anniversaire de carrière du chanteur-artiste populaire québécois René Simard, qui a fait une carrière très exemplaire. Jeune. Qui a fait le tour du monde, qui est allé au Japon, qu'on entend un petit peu moins parler aujourd'hui, mais qui reste quand même Il est dans le cœur des gens. Exactement. Le petit Simard avec ses petits puddings Laura Socor. L'oiseau s'est envolé. Il est devenu une grande personne maintenant. Exactement. Il a été annoncé le 3 août dernier que Quiet Riot retrouvera son bassiste original Rudy Sarzo. Après 18 ans d'absence, ça c'est vraiment cool. Rudy, dans le fond, il a joué sur l'album Metal Hill, qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et qui a donné naissance à Come On Feel the Noise et Metal Hilt. Il a également joué sur Condition Critical. Sarzo est apparu dans les vidéos les plus remarquables de l'époque de MTV et a tourné avec le groupe jusqu'en 1985. Et à nouveau en 1987, puis de 1997 à 2003. Pendant ces années, hors du groupe, Rudy Sarzo a été membre du groupe de Ozzy Osbourne, oui. Whitesnake, Dio, Blue Oyster Cult, Queensryche et The Guess Who. Il enregistrera et tournera avec Quiet Riot à partir de 2022. Pour sa part, le baiser sexuel du groupe, Chuck Wright, se retire pour faire une carrière solo ou peut-être prendre une année sabbatique. Là. C'est ça. On parlait juste avant de tournée, mais imaginez-vous donc qu'en mai 2022, en Irlande et au UK,
Le retour de Whitesnake et Foreigner. Wow, ça c'est un énorme spectacle. J'espère qu'ils vont passer au Canada, ça serait génial. Avec comme invité en Europe, bien sûr, c'est une tournée de 8 spectacles entre le 10 et le 25 mai prochain. Non, tu te trompes, avec comme invité en Europe. Non, non, le groupe Europe. A Europe. Carrie. Tu la reconnais? Oui. C'est ça, le groupe Europe. C'est une tournée Belle Imitation. C'est une tournée de 8 spectacles, comme je disais, du 10 au 25 mai de cette même année. Voici la liste des dates de la tournée. Donc, le 10 mai, c'est au Tree Arena de Dublin. Le 12 mai, c'est à Glasgow. Le 14 mai, c'est au Newcastle. Le 16 mai, c'est à London. Le 18 mai, à Manchester. Et ce suivi du 20, 22 et 25 mai à Nottingham, Birmingham et à l'Arena Cardiff, Motherpoint. Nous allons enchaîner maintenant avec le show business, mesdames et messieurs. Le film Kaamelott, premier volet, est finalement sorti au Québec le 23 juillet dernier. Si tout va bien, il devrait y avoir une trilogie. Récemment, le réalisateur Quentin Tarantino a révélé au balado de Moment Podcast n'avoir donné aucune scène de sa fortune à sa mère, qui est estimée à environ 100 US. Voici quelques citations. 100 millions de dollars US. Ben, c'est ça. T'as dit 100 US. 100 millions de dollars US, je m'excuse. Ça va être des bloopers. C'est vrai montage, les amis. C'est ça. Alors, voici quelques citations. Ma mère a mal pris le fait que je ne travaillais pas bien à l'école. Elle me critiquait pour les petits scénarios que j'écrivais à l'époque en disant « Cette petite carrière de scénariste que tu penses pouvoir avoir, c'est carrément fini », a-t-il raconté. L'auteur des succès comme Pulp Fiction ou Kill Bill a continué en indiquant qu'à force de voir sa mère sarcastique à son encontre, il s'est promis de ne jamais lui donner un centime de son succès. Il n'y aura pas de maison pour toi, pas de vacances, aucun Cadillac pour maman. Tu n'auras rien pour m'avoir dit tout ça, a-t-il dit lui avoir lancé. Tarantino a confirmé s'être tenu à cette promesse et n'avoir jamais aidé sa mère depuis son succès à Hollywood, à l'exception d'une fois pour payer de l'impôt. Il y a des conséquences pour les mots que les parents lancent à leurs enfants. Certains mots ou un ton sarcastique, peuvent avoir des répercussions sur ses enfants. La leçon de cette histoire, Madame Tarantino, t'aurais dû former ta gueule en bon québécois. C'est drôle. Mais c'est ça, pareil, ça arrive souvent dans les meilleures familles. On va enchaîner sur ton film fétiche. C'est quoi qui se passe, donc? Oui, c'est ça. Il va y avoir un nouveau SOS Fantôme qui va sortir le 11 novembre 2021. Moi, j'ai vu les annonces et ça semble être intéressant. Laissons ça aller, puis on en reparlera peut-être dans un futur podcast. On pourrait parler des SOS Fantômes. C'est quelque chose ou de nos films fétiches de quand on était jeunes, les Ninja Turtles ou quoi que ce soit. Parce ça intéresse que, bien des gens. Parce que vous savez que Wrestle Rock Podcast, ce n'est pas seulement de la lutte ou de la musique, ça peut être du show business aussi. Yes. On essaie de couvrir le maximum d'événements, donc c'est une des raisons pour qu'on voulait vraiment bien couvrir Envoler Macadam. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci Benoît de faire partie de cette aventure. C'est toujours un plaisir et un honneur de faire le podcast avec toi. C'est ici que se termine l'émission 8.5 sur la musique du Wrestle Rock Podcast. Et nous, on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."